Et salut tout le monde, c'est Massaman et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Lego Ninjago, le film, le jeu vidéo. Alors le nouvel objectif maintenant c'est de traverser la jungle infranchissable, mais il faut d'abord la trouver. Donc apparemment on doit aller ici pour quelconque raison, il y a un truc à détruire. Donc on va le faire immédiatement, parfait, on a des pièces pour construire le prochain truc. Wow, ça c'était rapide par contre hein. Ah ça c'est pour mettre où ça avec son bâton je crois. Parfait. Allez c'est parti. Ok. Alors, est-ce que c'est bon? Ah bah tiens. Apparemment, on peut y aller par souterrain. Par souterrain, ça se dit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Voyager vers cette zone, oui. Vous êtes sûr? Oui. Parfait. Et ça va être un temps de chargement qui est relativement long, je pense, encore une fois. Oh. Ah, c'est le pont. C'est la scène du pont. Si un ennemi bloque, essaye de jouer en attaque pour placer ses défenses telles que... Ok, d'accord. Ok, ça je sais. Tu sais, c'est que l'abeille piqueuse, faut les assommer d'abord. Je sais pas trop comment les assommer en fait. Comme le nom le suggère, l'armée requin peut respirer. Ah, d'accord, ok. Sous l'eau, d'accord. Ah, ça veut dire qu'on pourra aller sous l'eau avec les personnages requins, d'accord. Peut-être que Nia aussi peut aller sous l'eau, puisque c'est le ninja de l'eau. Ok. Donc, espérons que ça charge un peu plus rapidement quand même. Même si le truc, je dois dire, il est bien fait. Hein. On peut pas dézoomer. Non, on peut pas dézoomer apparemment. On peut que regarder comme ça. Bah, il n'y a pas grand chose à regarder, c'est juste un pont avec des arbres autour. C'est... Je veux dire, c'est bon, c'est sympa, mais bon. Ouais, pour explorer les zones sous l'eau, ouais. Ça, j'ai compris. Enfin, j'avais compris avec ce qu'il me disait avant. Ouh, ça spoil. Ça spoil beaucoup. Alors, le truc, c'est que, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il y a les anacondas dans Ninjago le film. Ah oui, en parlant des cinématiques, attendez. Tes pouvoirs viennent de toute cette verdure. Pour commencer l'entraînement, nous allons reprendre les bases. Le pouvoir est en toi. Mais pourquoi? Surprenant. En effet. Bien. Il faut rester vigilant. Jay, Kai, Zen, vérifiez que Garmadon n'est pas là. Mais bien sûr! Nous trois contre Garmadon, c'est du gâteau! N'est-ce pas? Pas forcément. Oh, ouais. Super! Ne l'affrontez pas. Ouvrez l'œil. Ah, ça, c'est ce qu'il faut faire, en effet. Si vous voyez quelque chose. Oh oh. Ah, d'accord. Oui. Faut pas jouer au jeu sur téléphone. Dans ce cas. Très bien. Mais d'abord, du temps pour Zen. Zen, d'accord. Aïe. Quoi? C'est pas... On n'est pas là pour jouer de la musique, Zen. Oh, je savais pas que t'avais des lunettes. Quoi? Chapitre 7, la jungle infranchissable. C'est parti. Ah, vite, voilà, ninja. Un peu de sérieux quand même. Garmadon est à vos trousses. Et notre voyage ne sera pas facile. Oh. Oui, je m'en doutais. Vu qu'on est dans la jungle infranchissable. Yes, Lloyd. On devrait la contourner. Parfait. Moins de mots, plus d'action. En effet, c'est parti. Ok, on va la casser des fleurs. Pardon, maître Wu. Désolé. Alors. Oups. Ok, on va essayer de rapporter des pièces pour gagner des niveaux. Parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin le plus pour l'instant, des niveaux. Parce que, si vous voulez, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai essayé un dojo. Sauf que bah, les dojos, c'était assez galère. Dans le sens, bon, battre les ennemis, c'était facile. Mais... avoir le nombre de pièces nécessaires, ah ça c'était la galère totale. Donc c'est pour ça que je vais essayer de gagner des niveaux quoi, parce que sinon après, c'est vrai que faire des dojos ce sera un grand challenge. Donc, parfait, donc on peut soit faire par là, soit passer à côté. Les deux sont possibles. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, elle m'a l'air bien grande cette libellule. C'est même pas une libellule, ça s'appelle comment ces trucs là? C'est moustique? Non, c'est pas des moustiques, parce que les moustiques c'est plus moche que ça. Je sais même pas ce que je suis en train de dire en fait. Ok, c'est parti. On va bien casser tout ça. Parfait. Ok, attention, attention. Ok. Elle nous là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose. Qui est là? Qui c'est qui elle? Ok, d'accord.
Ah, c'est cette statue? Ah, bah écoutez, on va voir. Hein. Ok, je suis encore vu quelque chose par là. Oui, voilà. On va casser toutes les pièces. Enfin, on va récupérer toutes les pièces. Casser tous les trucs. Ah, c'est ça, on va rapporter beaucoup de pièces. Excellent. Donc. Parfait. Ok. Donc, je pense que. Oui, il y a un truc à construire ici. Parfait. D'ailleurs, oui, les cinématiques. En fait, si vous voulez, les cinématiques, on trouve des droits d'auteur. Ça, c'est un truc en fait établi. Sauf que, il y a certaines parties qui n'ont pas de droits d'auteur. Et le truc, c'est que, bah, en fait, ce que je fais, c'est que quand je vous upload une vidéo, eh bien, en fait, j'attends. J'attends que Warner m'envoie un problème sur les droits d'auteur. Et puis, comme ça, s'il y a un problème, bah, je mets un flou sur le passage qui a des problèmes de droits d'auteur. Comme ça, je peux vous conserver le maximum des parties. Donc, voilà. J'espère que ça va aller. Et puis voilà. Alors, comme ça, dans ce sens. Ok. Qu'est-ce que ça donne ça? Oh. D'accord. Oh, un singe. On aurait tout vu dans ce jeu. Ah, ça c'est pour Lloyd, ça. Où va ce singe à votre avis? Il nous guide vers l'endroit où aller. La seule fois que j'ai vu autant de verre, c'est quand j'ai ouvert l'armoire de Lloyd. Qu'est-ce que tu faisais dans l'armoire de Lloyd, Nia? Ok, bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, c'est pas Cole qui peut faire ça. Cole. Peux-tu faire ça? Non. Oui, terre, oui, mais sauf que terre. Oui, d'accord, oui, il faut les pouvoirs, ok. Il n'a pas encore les pouvoirs. Il faut couper ces lianes. Ok. Oui, j'ai compris. T'inquiète. Il va découper ces lianes. Hop. En plus, ces lianes sont brillantes dans un seul sens. C'est genre incroyable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez-moi ça. Parfait. Ok. Merci, Owen Grady. Parce que c'est Owen Grady qui a ce pouvoir dans Lego Jurassic World. Oh là là, j'ai pas vu. Ok. Le truc c'est que j'ai essayé de sauter par dessus. Ok, c'est bon. Parfait. Ok. Parfait. Ok, on a déjà franchi une partie de la jungle. D'ailleurs, on peut voir la ville de Ninjago City par là. Regardez-moi. Je pense qu'on risque de ne pas la voir pendant un moment. Avancer sans se retourner est souvent plus rapide, Nia. Ok, parfait. C'est excellent cette ville, hein. Vraiment fou. Le design qu'ils ont pris, c'est vraiment incroyable. Parfait. Ok. Oh oh. Dans notre jungle. Attrapez-les. Oh, oh. Et notre barbecue. Tu vas finir dans le barbecue. Parfait. Ok. Des serpents. Sales bêtes. Je m'en suis douté quand je les ai vus nous charger avec leurs armes. Pour leur défense, on a interrompu leur barbecue. Nous devons trouver un moyen de passer ces douves. L'union fait la force. Oh, parfait, maître Wu, et ben donc. Ok, alors. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je sais qu'il y a un grappin ici, mais avant tout. Vraiment, alors, je sais pas pourquoi, mais. Au début, j'étais vraiment super déçu par les designs des ninjas dans le film. Mais là, que je regarde Lloyd, ça va, hein, vraiment. Je veux dire, il est. Un ami à tes côtés. Ok. Vaut bien mieux qu'une épée. Oui, alors ça. Ça c'est typiquement. Ok, est-ce qu'on peut y aller par là-bas? Je crois que ça sert à rien de toute façon d'y aller par là-bas. Oh oui, on peut. Vite. Ok, Cole, qu'est-ce que tu fais là? On peut pas y aller par là-bas. Nia. Ok, on prend Nia. Parfait. Ok. Oui, là-bas non, ça sert à rien. Valent mieux qu'une. Tout comme deux grappins. D'accord, là-bas faut des grappins. Ça, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Exactement. Enfin, j'avais dit qu'il fallait un grappin. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait tout de suite en fait. Ah, il a un grappin aussi, maître Wu. Bah, ça, j'aurais pas prévu ça. Ok, c'est parti. Ok. Oh.
ce singe trop mignon. Où tu vas maintenant, mon grand? Oh, tu nous donnes des indices? Qu'est-ce que c'est que ça? Notre route. Mais pour y accéder, il faut maîtriser le pouvoir du Spinjitzu. Oh, maintenant les ninjas apprennent le Spinjitzu. Tornade, puis relâchez-la. D'accord, pour alors, le Spinjitzu, alors, il faut être patient, puissant et précis. Alors. Oui, ok, j'essaie. B. Ok. D'accord, ok, bon. Alors, le truc c'est que le Spinjitzu dans le film, c'est pas un vrai Spinjitzu, genre les ninjas qui tournent sur eux-mêmes. C'est genre une attaque à distance, on va dire, tout simplement. Ça, je sais pas trop quoi dire. Parce que dans le sens, s'ils ont modifié l'apparence des ninjas pour le film, ça c'est beau. Mais modifier le sens d'un terme, ça va un peu loin, je trouve. Mais bon, après, c'est vrai que ils doivent inventer des nouveaux trucs quand même. C'est pas forcément une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh! Parfait! Attention, attention, attention! Yes! Nia, la pointe de ta lance est très solide, n'est-ce pas? Espérons! Ça dépend! Ok! C'est parti! Ouh! Ah oui, d'accord, ouais! Ça, c'est très pratique! Alors, un truc que je me demande, est-ce qu'on peut tirer à distance comme ça? Non, faut obligatoirement garder appuyé pour tirer. Ça, c'est un truc, ça, c'est un point négatif de ce jeu, quoi. Vraiment, les attaques à distance, ils auront pu faire que ce soit beaucoup mieux, quoi. Ok, donc, ok, on va tirer sur ça. Parfait. Oh. Désolé, petit singe, c'était pas voulu. Oh, il nous aide. Ouais. Il est en colère et il nous mène vers le danger. L'œil était toujours un aussi pessimiste. Un seul moyen de le savoir. Oui, mais comment on le suit? Ok. Attention. Je crois qu'on va rentrer dans le repère des serpents ici. Hein. Quelque chose qui me dit que ces serpents ne sont pas tout à fait sympathiques. Je sais pas pourquoi. Hop. Parfait, la porte va s'ouvrir. Et les designs par contre, c'est excellent. Hein. Ah, je me demande si ces logos ont une signification. Attends, ils sont combien? Ah, il y a 16! Attention, il y a 16 logos comme les 16 royaumes. Ça c'est intéressant ça. Il y a 16 logos tout comme les 16 royaumes de Ninjago. Yes! Ok, alors ça, je vais prendre un truc qui permet de rapporter des pièces. Yes! Yes! Oh, prochaine fois, on va prendre ce pièce x2 là. Parfait. Enfin, d'abord, faut prendre ça, non? Ouais. Ok, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va continuer. Nouvel objectif, traverser la jungle. C'est parti. Oh. Bienvenue dans la jungle. C'est dangereux et hostile. Vraiment, j'adore ce jeu. C'est vrai, Maître Wu? La musique, avec les séquences de cinématiques dans le gameplay, et les zooms et dézooms, là, ici, c'est excellent. Je dis que les ninjas n'existent pas. Mais les autres... Les autres? N'écoute pas ces autres serpents, d'accord? Je te répète pour la dernière fois que les ninjas n'existent pas. Bah oui, on est là. Bon, idiot. Pour être récompensé, vous devez vous élever. Parfait. On va déjà casser cette radio parce qu'elle m'énerve, cette radio. Ok. Oh, il y a un cochon ici en plus. Ah, on peut. Attendez, quoi? Ok, d'accord. Ok, donc. Parfait. Ok. Ouh, attention. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Des champignons. Pas très intéressant. J'ai même pas vu ce qu'il y a au centre. Ah, d'accord, il y a tout un tas de trucs comme ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Enfin, je vois pas à quoi ça peut servir. Voyons. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de trucs à casser par ici. Il y a beaucoup d'arbres ici. Enfin, on est dans une jungle, c'est normal, mais bon. Ok. Ok, ça c'est un temple ruiné, je crois. Pourquoi il y a des serpents? Je comprends pas. Ils expliquent même pas d'où viennent les serpents.
Ces nénuphars nous aideront à traverser. Espérons. Ok, parfait. Ok, d'accord. Et je crois que maintenant, on a à peu près tout cassé. Je crois que là, ça vous fait chier que je casse tout. Hein. Oh! Ah, comme quoi, vous voyez? Il y a des éléments intéressants partout. What? Ok, je vois une brique dorée là en bas, mais on peut pas aller sous l'eau. Je crois pas, non? Mais à quoi ça sert ce bateau? Hein? À rien, d'accord. En plus, maintenant, d'accord, maintenant il est même plus dans l'eau ce bateau. Ok, bon. D'accord. Bon, bah. Ok, on va essayer de revenir sur l'affaire principale. Ces nénuphars nous aideront à traverser, en effet. Oh mon dieu, le cochon qui court partout là. C'est des grands nénuphars quand même. Paul, il est temps de prouver ta valeur. Ok. Comment suis-je censé arriver là-bas ? Tu dois chercher en toi, Cole. Oh, Cole va avoir son pouvoir. Si j'avais un marteau piqueur sur moi. Non. Tu dois chercher dans ton être intérieur. Oh oh. Tu as progressé, Cole. Trouve ton équilibre intérieur. Trouve ton spinjitsu. Oh, parfait. Excellent, 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 excellent. Ça alors. Ah ouais, je pense que j'ai trouvé. Parfait, cool. Détruire les objets légaux, lézarder, ce sera le job de Cole. C'est parti. Ok, on va continuer. Cole, es-tu prêt? Wow. Maître des éléments, succès déverrouillé. Vous avez maîtrisé votre premier pouvoir élémentaire. Yes. On va acheter augmentation du temps de multiplicateur de combo. Ah, ça c'est excellent ça. Ça, la prochaine pièce, on va acheter. Ça c'est quoi ça? Papillon volant. D'accord, ok. Papillon volant, j'ai encore acheté aucune amélioration. Je devrais peut-être acheter une amélioration aussi. Mais bon, on va d'abord prioriser, ça se dit? Je sais pas, je sais plus parler français. C'est incroyable. Ok. Parfait. Parfait, yes. 3-2. Toutes ces pièces en 3-2. Même si c'est pas, y a pas de pièces bleues, c'est pas grave. Oh. Ah, prolonger le temps, ça prolonge vraiment le temps. Hein. Alors quand ça prolonge le temps, ça rigole pas. Hein. Ok. Oh, il y avait une pièce ici. J'aurais dû la récupérer pendant le 3-2. Ok. Oh, ça c'est pour Cole, ça, je crois. Aïe. Oh, la flamme, elle fait mal maintenant. Oh mon dieu, l'attention aux détails de ce jeu. C'est parti. Brouya. Oh, ok. Donc Cole, prends ton pouvoir et puis vise la toile qui est en haut. Oh, on peut créer des enchaînements aussi. Très intéressant ça. Allez, regardez-moi ça. Genre comme ça. D'accord. Oh, il est avec nous, Zane. Ah non, maintenant oui. Maintenant que Cole a ça. Et que Maître Wu a ça aussi. On peut faire ça. Parfait. Ok, j'ai cru que j'étais bloqué à un moment. Parfait, ok. Alors, est-ce que... Bah, on est ressorti par le même endroit. Mais juste sur un côté différent. Alors, je sais pas si c'est vraiment utile. Ah, si, c'est utile. Ça a pas maintenant... servi depuis un moment. Bien, ça veut dire que Garmadon ne nous précède pas. Ouais, espérons qu'il ne nous précède pas. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce qu'on milieu? Un nouveau chemin apparaît. En effet. Ok.
Ok. Parfait. Ah, je suis pas encore passé par là, bizarrement. Hein, parce qu'il y a encore des trucs qu'on n'a pas cassés. Je sais pas pourquoi. Ouh là, d'accord, on doit arriver là-bas carrément. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est pour de l'eau. Nia, as-tu maîtrisé ton pouvoir? Je ne crois pas. Pas encore, non. Nia n'a pas encore maîtrisé ton pouvoir. D'accord, bon, bah on va attendre un petit peu, hein. Ma foi. Donc ça c'est pour Zayn, ça, je crois. Ça c'est pour... on peut frigorifier l'eau, normalement. Ok, donc de toute façon, là on doit aller en haut, c'est tout ce qu'on doit faire. Ensuite. Parfait. Ensuite. Allez, ici, ok, je sens que j'ai tombé au moins une fois. Parfait, ok. Ok, d'accord, attention, on met la caméra en place avant de faire quoi que ce soit, parce que la caméra, elle est vraiment nulle parfois. Et elle peut tout gâcher. Ok, si je tombe, là, je jure que je vais fracasser ma manette contre la fenêtre. Ok. Oh mon dieu, des trucs comme ça. Ok, c'est bon. Fou là là là. Ah, c'était la galère ça, hein. Ok, c'est parti. Oh, un arbre. Ça prend beaucoup de pièces les arbres, c'est pour ça que je les casse. Hop. Personne ne quitte notre jungle. Sauf le singe. Le chemin disparaît. Le contraire du chemin apparaît, le chemin disparaît. Pardon. En fait, quand chaque fois que je tousse, je dis pardon alors que je pourrais tout simplement mettre muet. Le micro, parce que oui, j'ai une fonction muet sur le micro. D'ailleurs, en parlant de micro, ce micro que j'utilise là maintenant, il s'est cassé une fois. Mais je l'ai laissé pendant 2 mois. Il s'est réparé tout seul. Je sais pas comment ça se fait. Mais alors, entre nous, vraiment là, je comprends rien. Je l'ai laissé pendant 2 mois seul dans sa boîte. Et quand je suis revenu des vacances, je ressors, il a été réparé. Ah, on va encore mettre où? Parfait. Ok, cette fois c'est bon. Oh oh, les serpents, vous êtes dans la grosse merde. Oups, pardon. J'aurais pas dû dire de gros mots, je pense. Ok, parfait. J'aurais pas dû dire de gros mots dans une vidéo pour enfants. Enfin, pas pour enfants, mais bon, je dis beaucoup de gros mots de toute façon. Parfait, ok. On doit arriver là-bas. Si on détruit le pont, Garmadon ne pourra pas nous suivre. Lloyd, qu'est-ce que t'as contre les ponts? Laisse-les tranquilles. Comment ça, qu'est-ce qu'il a contre les ponts? Il a un truc contre Garmadon, par contre. Les ponts. Ah. Ok. Parfait. Ouh là 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 là, ok. Ouh. On trouve à déclencher son attaque. Ok, c'est bon. On est parti. Maintenant, lui, il va mourir. Wow. Pièce bleue en 3-4. Yes. Nouveau niveau. Écureuil escaladant. Ok. Attention, attention, attention. Ok. Parfait. Ouh là là, c'était galère quand même. Hein. Tu sais, c'est que il a pas dit qu'on devait détruire le pont, un truc comme ça. Ok. D'accord, ok. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Comment on fait pour... Ah non, c'est pour glisser. Ah d'accord. On va redescendre ici à un moment. Ok. Parfait. Oh là là. On était beaucoup trop sur ce pont. Nia, faut que tu fasses un régime. Non, je rigole. Ouh là là, elle va me frapper si elle entendait ça. Hein. Ah, Lloyd, allez bien. Ok. C'est par où qu'on devait glisser? Par là, hein. Ouais, bon, c'est juste pour une pièce bleue. Que j'ai raté. Ah non, je l'ai prise. Ok, parfait.
Enfin, peut-être qu'après on devait redescendre de toute façon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça maintenant. Ok. Oui, je crois que on pouvait redescendre après, ouais. Bon, ok. Hop. Ok. On doit aller où? Comment ça en haut? Regardez où la flèche montre. C'est incroyable quand même. Ah d'accord, de ce côté-là, d'accord, ok. C'est un peu plus compréhensible. Ils ont fait quoi ici? Du barbecue au poisson? C'est excellent ça. Dommage qu'on puisse pas bouffer, qu'on peut que les casser. Wow. Ah, je me demande quel personnage on pourra débloquer ici. Hein. Ah, c'est peut-être... Non, pas Peter, parce que Peter c'est dans une arène. Il s'appelle comment l'autre? Parce que ça c'est des serpents verts. Et ah mon dieu, Aciditus, Aciditus, le chef des Phénomaries. Ok. Des Phénomaries, ça s'appelle des Vénomaries. Je prononce à la façon allemande. Parce que bon, le suisse allemand, on apprend depuis la troisième de primaire. Oh, il y a quelque chose là-bas par contre. Ça c'est intéressant. Ok, il y a beaucoup de ponts. Lequel c'est le pont où on doit battre Garmadon? Parce que je sais que normalement il y a une scène où on doit battre Garmadon. Ok. Ok, tire sur ça. Lloyd. Des sables mouvants. Où est-ce que tu vois des sables mouvants toi? Ah là. Ah merde. Ouh, j'aurais pu avoir du violet. Ah, ça aurait été bien si j'avais du violet. Mais bon, apparemment il n'y aura pas de violet. C'est quoi ces trucs? C'est des bombes? Okay. Parfait. Oula, on avance bien loin dans le niveau là quand même. Hein. Oh! Revoilà le singe. C'est tout un village. Hein. Regardez-moi le bâtiment qu'il y a là-bas. C'est un petit malin. Hé, le singe! Tu sais où est l'ultime arme ultime? Je crois qu'il va pas te répondre. Un pont détruit. T'es déjà venu ici, Lloyd? Hey. C'était sale. Ah, c'était tellement sale. C'est trop sale. Oh mon dieu. Ça m'aurait pas plu, Lloyd. Hein. Je lui aurais mis le couteau dans la gueule. Enfin, l'épée plutôt. Aïe aïe. Le singe a choisi le bon chemin. Vous devriez le suivre, les ninjas. Non, descends, descends, descends. J'ai pas envie de retourner. Ouh là là là. Ok. Ouh putain. Ah, je savais pas que ça allait faire ça. Ok. D'accord, ok. J'ai cru qu'on pouvait rester autant qu'on veut. Apparemment, non. Donc, dès qu'on reste trop longtemps, le truc il coule. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un sort de chariot là, des arbres. Ok, là-bas il y a un truc pour grimper. Lloyd, à toi de jouer. Parfait. B, X. Ouh, brique dorée. Ce qui sert strictement à rien pour terminer le niveau, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une brique dorée de collectionner. Pourquoi pas. Hein. Ok, là-bas, il y a là-bas faut des explosions. Donc je pense que Général Cryptor serait très utile dans ces cas-là. Ok. Attention. Oui, ça faut de la dynamite. Je crois que c'est soit Nadakan ou soit Cryptor, je crois. Parce que Nadakan aussi peut le faire. Parce que Nadakan, en fait, si vous voulez, il a tous les vœux qu'il veut. Donc, là. Enfin, non, normalement il n'a pas tous les vœux qu'il veut. Mais à la fin, oui, à la fin de la saison 6, il a bel et bien tous les vœux qu'il veut. D'accord. Ok, il y a un truc ici. Pièce bleue, parfait. Ok, le truc c'est que. On nous dit d'arriver là, mais qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ah, là-bas, ok. Ok. Attention, attention, attention. Parfait. Ah, le logo là-bas, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Call, call, call. À toi. Prêt pour le spin du dessous? Ninja, go! Ça fait plus de dégâts que je pensais. Ok, donc. Oh, bah tiens.
On dirait un hasard. Continuons. Rien ne peut nous arrêter. Ouais, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils jouent au tennis maintenant? Depuis quand les serpents savent jouer au tennis ou au badminton? Ah non, ils jouent au volley. C'est différent, attention. Ok. Parfait, yes. Il faut trouver un chemin près de ce vieux dojo. Ok, trouver un chemin près de ce vieux dojo. C'est facilement dit, hein. Mais faire, c'est vrai que c'est galère. Ok, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un nid d'oiseau ici? Ouh, oh mon dieu. Ah, ça c'est la galère par contre. Oula, ok. Oula, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, je suis allé sur le mur pourtant. Ok, ça c'est bon. Ok, je jure que si la même chose se produit. Parfait, ok, c'est bon. Ouh, la galère. Ok, c'est bon, là on est sur une nouvelle plateforme. Là-bas, il y a une pièce bleue qu'on pourra aller collectionner. D'ailleurs, il y a bien plus qu'une pièce bleue, je crois. Parce que ça va bien loin. Ok. En fait, s'il n'y a qu'une pièce bleue, d'accord. Ouh, peut-être pas. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh. Ah, merde! Pourquoi je casse tout le temps quand c'est argenté? C'est pas croyable, ça. Oh. Bon. Ok, pourquoi ça nous dit d'aller en bas soudainement? Faut pas aller en haut, j'ai vu quelque chose en haut aussi. J'ai vu ça. C'est à quoi ça fait, hein? Ok. On va y aller de toute façon, mais... Ah Oh, on pouvait pas prendre les escaliers à l'intérieur. Oui, oh. Mais où serait le défi? Nia, t'es où, Nia? Oh mon dieu! Elle monte pas? Oh non, mais c'est la galère. Attends, si on doit faire remonter tous les ninjas, là, ça va pas être possible, hein. J'ai vu qu'ils ont réglé le problème des ninjas qui suivaient pas. Bon, je veux dire, ça, c'est encore, c'est pas trop la galère non plus, mais quand même. En fait, je crois qu'on n'est pas censé arriver ici, en fait. Mais ça, c'est aller en bas. Mais bon. Ok. Bon, juste pour... Parce que là, il y a un personnage, je vois. Ok. Ok. Parfait. Ok, ça va être. Qui est-ce que ça va être? Oh, Aciditus. Oh oh, excellent. Ça va dire donc. Ah, on débloque beaucoup de trucs aujourd'hui. Yes. Deuxième personnage débloqué. Enfin, dans les personnages non classés. Dans les personnages non film, on va dire. Ah, je vois. Attention, pourquoi personne. D'autres serpents. Ils veulent vraiment nous arrêter. Apparemment, oui, hein. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'un gland vous tombe sur la tête? Grimper! Un gland! Pourquoi un gland? Pourquoi ce sera pas des noix? Je sais pas. Un gland, c'est pas bon, un gland. Parfait! Yes! Ah, ok. Ah, les effets dans le jeu, j'aime bien. Ok, donc mettre où? Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a quoi là-dedans? Rien? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Allez, vas-y. Ok. J'ai pas atteint pour quelconque raison. D'accord, apparemment on a d'abord été détruire la lanterne pour y arriver. Ok, pourquoi j'arrive pas à le viser? Ah si, ok, c'est bon. Ok, ça s'ouvre ça? Ok. D'accord, c'est un dojo de fail en fait. Okay.
Ignorer et déverrouiller. Ok, bon. On va les laisser s'entraîner, hein, parce que là, apparemment, ils arrivent pas super bien. Ok, c'est parti. On va grimper sur ce truc. Ce niveau est étrangement long. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que j'ai fait trop de détours. Je sais pas. Mais en tout cas, ce niveau n'est pas le niveau le plus court que j'ai connu. Ah, d'accord. Je m'en charge. Parfait. Chaud devant. Pardon. Point de sauvegarde. C'est bon. Cet arbre tombé nous permet de progresser. Question philosophique. Si un arbre tombe dans la forêt, mais qu'il n'y a personne, il n'y a pas de mal, hein? Oh. Des traces de ninja. D'où il arrive à sentir ça? Je sens la présence. Du mal. Je m'approche. Il s'approche. Je suis tout prêt. Presque. Vous êtes juste à... Ok. Oh. Bonjour mon frère. Où sont tes petits ninjas? Où sont-ils, tes petits ninjas? Ils t'encerclent et sont bien cachés, prêts à frapper. Vraiment. C'est bon. Combat entre vous et son frère Garmadon. Peut-être on aura des problèmes de droit d'auteur, ça aussi. Je pense que là vous voyez un écran tout flou. Encore une fois, c'est pas vraiment de ma faute. Ouh! Ouch! Ah oui! Il me semble que tu as besoin d'une bonne leçon pour apprendre à te taire. Et voici ce qu'on n'apprend pas à l'école. Les 7 papillons mortels de Shaolin! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7! J'ai besoin de papillons mortels pour gagner! Wow! Les gars! Garmadon est où? Se battent dans les arbres! Ah, le voilà! Attention! Oh! Et je ne te laisserai pas t'emparer de l'ultime arme ultime. Combat contre Garmadon, je pense qu'on va te battre contre Garmadon. Garmadon! Ok, je suis prêt! Ah, je suis trop prêt! Si tu es là de te battre, Wu! Pourquoi n'a pas. Attention, mon oncle! Prends ça, Garmadon! Allez, c'est parti! Wow, d'accord, j'ai rien vu, mais c'est pas grave. la caméra a été mal fixée encore une fois. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Envoyer tes gens? Ce sera pas la première fois. C'est tout Garmadon. Il les laisse faire le sale travail. Parfait. Ok. Encore 4 ennemis. Garmadon est immunisé. Il est derrière les autres. Ok, parfait. C'est le moment pour récupérer des pièces, ça. Ok, c'est bon. Parfait. Ne jamais confier à un serpent une tâche maléfique. Pourquoi? Ouh là là là. Je sais pas combien de temps ce pont va encore tenir. Ouh là là. Alors, par contre, le pont là. Ok, attention, faut être prêt à tout moment à sauter. Ok, allez bien. Ouh là. Mon oncle, le pont. Il s'effondre, ouais. Ok, prêt. Moi c'est Lloyd. Okay. Et si je t'appelais Gagarmadon, ça te plairait? Garmadon. Ok, attention. Ok, parfait. Yes. Ouh, le son a bugué à la fin. Ah, ça c'est pas cool par contre. Ok, attention. Les ennemis vont encore attaquer, je pense. 7 ennemis. Pas assez pour gagner relativement beaucoup de pièces. Parfait. Ok. 3-4. Ok. Êtes-vous prêt à affronter Garmadon et ses feux? Oula, ok, cette fois c'est ce pont là qui s'écroule. Enfin cette partie là du pont qui s'écroule. Ok. Je crois que je vais encore faire un. Ok, c'est bon. Esquiver. Parfait. On défoule sur Garmadon. Aïe. Parfait. Ok. Attention.
Yes! Ok, c'est fini pour lui. Enfin, j'espère. Yes! Excellent! Tu te moques de moi! Oups. Un véritable ninja aurait compté les 7 papillons. Oh! Oh. Ah, il en avait un qui manquait! Ok, d'accord, il a coulé carrément. C'est fini pour Maître Wu. Quel dommage. Enfin, c'est pas vraiment fini. Il est encore là. Lloyd, souviens-toi. Reste dans le droit chemin. Trouve ta paix intérieure. Non. Maître Wu, nous avons besoin bien, de toi. Oh. Garmadon, tu sais qu'on te déteste tous. Hein? On dirait que votre précieux maître ninja a disparu. À cause de toi, oui. Pour réussir ce voyage, vous aurez besoin que quelqu'un vous enseigne la voie de ninja. Ah, ça va pas être toi, ça c'est sûr. Qui sait sur les ninjas ? Oh, beaucoup de choses là, Lloyd. On ne devient pas seigneur sans s'y connaître sur la voie du ninja. Celle des ténèbres. Oh, calme-toi. Moi pour quitter cette jungle où vous mourrez tous. Oh, génial, on va tous mourir. On ne mourra pas, Jay. Tout en vous protégeant, je vous montrerai peut-être un super mouvement de ninja des ténèbres. Le bourdonnement. Wow. Attendez une petite seconde. C'est de Garmadon qu'on parle là. Nous pouvons trouver l'ultime arme ultime seule. N'oublions pas ce que Maître Wu nous a appris. En effet. Bien qu'on a besoin d'un maître. Écoutez, Garmadon, une très mauvaise idée. On l'emmène. Superbe. C'est une très mauvaise idée, je pense, d'emmener Garmadon. La jungle infranchissable. Oui, d'accord, on a récupéré deux briques de rouille, un personnage et pas de mini-kit du tout. Lieu terminé, vous avez déverrouillé une brique dorée. Parfait. Je l'ai déverrouillé, ok. On a débloqué le spin du tout de terre. Un spin du tout maîtrisé en général, d'accord. Ah non. Le spin du tout de terre maîtrisé, d'accord. Le spin du tout général, c'est celui de Maître Wu, d'accord. On a débloqué Aciditus, je crois. Ah non, on a débloqué Cole sans masque. Ah, on a tout débloqué tous les ninjas sans masque, en gros. Je crois. Lloyd sans masque. Ok. Créateur de personnages. Et... Écureuil Escaladon. Continuons de l'histoire. Même si je crois que ce sera pour vous le prochain épisode, certainement. Parce que là, on est à 42 minutes d'enregistrement. Ok. Ok. Ok, parfait. J'ai cru qu'il y avait un bug. Nouveau dojo des défis disponible. Je crois que ça se vaut Peter cette fois. Parfait. Ok. Donc, la prochaine fois, bah, on est avec qui d'ailleurs bon. Ah oui, on va juste regarder Aciditus. Attendez. Parce qu'on n'a pas, besoin d'acheter les personnages cette fois. C'est incroyable quand même. Aciditus. Wow. Donc, ses attaques. Qu'est-ce que c'est ses attaques? Oh bon. Ah, il n'a pas d'attaque secondaire. Oh, mais c'est nul. Oh, on se calme, ok. Il n'a pas d'attaque secondaire, what. Ok. Ah, ça c'est pour le dojo. Je crois que j'ai cliqué sur non, hein. Ouais. Le dojo, je pense qu'on va faire ça dans un prochain épisode. Pas tout de suite. Donc, bah, en attendant, je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ah, pièce bleue, yes. Ah, vraiment, Aciditus, il a l'air stylé par contre. Même si, bon, il n'a pas d'attaque secondaire. Pardon.